Bonjour à tous, petite vidéo pour lecture, en espérant qu'elle fasse moins de 20 minutes, parce que je vous avoue que là, il y a des choses à dire. Comme quoi, lire trop de fantasy, c'est pas possible. Donc, il va falloir trouver une solution. Donc, je vais commencer avec un recueil de nouvelles de Kim Jong-hyuk chez Del Crescenzo, éditeur Bus Errant. Il y a 4 nouvelles qui sont toutes les 4 intéressantes, puisqu'elles montrent toutes... une prise de conscience chez un personnage qui peut tous nous concerner, c'est l'acceptation d'être adulte et d'avoir des responsabilités, l'impact d'une rencontre sur sa vie, la place de la femme dans la société, surtout au sein du couple, et la dernière, je vous avoue, je me pose encore la question de cette prise de conscience. Peut-être en rapport avec le syndrome de la page blanche ou en rapport avec son métier, je ne sais pas trop. Mais enfin bref, il était très intéressant. C'est toujours une écriture coréenne, donc c'est toujours une écriture un peu différente de ce qu'on trouve en Occident. C'est pas gênant me concernant, maintenant je sais pas pour un lecteur lambda. Je pense que en fait l'intérêt de la lecture des livres coréens, c'est de laisser le livre reposer après. Vous le lisez, vous dites ok, c'est un peu bizarre, mais quand vous prenez du recul sur le livre, vous dites ah ouais, mais n'empêche qu'on nous parle de choses qui concernent tout le monde, voilà. Donc. Si vous voulez commencer la lecture coréenne, peut-être que ça peut être sympa parce qu'il est court. Je crois qu'il fait 90 pages à tout casser. Ah non, 100 quand même. Bon, 100 pages. C'est bon quoi, c'est pas la mort, je veux dire. Si vous voulez commencer, ça peut être sympa. Maintenant, si je compare au recueil de nouvelles de Kim Jong-ha, je préfère celui de Kim Jong-ha. Soyons honnêtes. Qui s'appelle « Qui est devenu l'homme coincé dans l'ascenseur ». D'ailleurs, c'est la nouvelle du même titre, il est juste à mourir de rire. Donc voilà. Mais voilà, si vous voulez commencer sans mettre non plus, sans vous dire ouais mais je suis pas sûre que ça me plaise machin, là vous dites il y a 100 pages. Ensuite, j'ai lu Haiku, poème classique, ah, poème japonais classique, je me suis fait mal avec le livre. Bref, il y a pas vraiment d'auteur. Alors l'objet livre en lui-même est juste d'une beauté hallucinante comme je vous l'avais déjà montré. Je suis partagée sur ce livre, oui je sais, je vais pinailler, je vous le dis tout de suite, je vais pinailler. Parce qu'en fait, le haïku, l'explication elle est là. J'ai lu un livre où on parle du haïku qui est beaucoup plus long que ça et on vous prend des exemples en même temps pour vous faire comprendre la réelle importance du haïku. Ici je trouve que c'est pas suffisant. Je trouve que ce qu'on me dit là c'est l'aspect historique, ok, l'aspect historique peut être intéressant, c'est vrai. Par contre, oui, il y a peut-être l'essentiel, mais il manque quelque chose quand même. Pour moi, il manque quelque chose. Et ici, vous avez la liste des auteurs présents. Alors, il y a donc ces grands, hein, c'est des immenses auteurs de haïku. Donc, il y a Basho, Busson, Issa et Shiki, pardon, Isha. C'est là où je me dis que j'ai compris ce qu'était un haïku, parce que sans regarder le nom des auteurs qui est marqué en haut, en fait ici, vous avez le nom de l'auteur marqué, sans le regarder, j'ai senti la différence entre chaque auteur. Ce qui me fait dire que moi, j'ai compris au moins le sens profond du haïku. Peut-être pas complètement encore, je pense que je peux encore m'améliorer là-dessus. Maintenant, je pense que pour un néophyte, quelqu'un qui ne connaît vraiment rien au haïku, je suis pas sûre que ça suffise. Parce que là, ici, je vous explique que l'haïku se compose de 5, 7, 5 syllabes par vers. Ok, ça c'est la base. Qu'il faut forcément qu'il y ait un rapport, qu'il y ait une notion de la nature et un rapport avec une saison aussi dans le haïku. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire. Non, tout le monde ne peut pas le faire. Ça, je suis d'accord, mais je veux dire que ça, c'est facile à faire. Ce qui n'est pas expliqué là-dedans, c'est que le haïku doit être en rapport avec la vie intime de l'auteur, et s'il s'adresse à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un puisse le comprendre. Sauf que si vous n'avez pas un minimum d'informations sur la personne, si vous ne la connaissez pas, ben vous ne comprendrez jamais le haïku. C'est peut-être pour ça qu'avant que je lis ces livres-là, je ne comprenais pas le haïku, et je ne dis pas que je n'aimais pas ça, mais ça ne me faisait rien. Maintenant que je le sais, je vois les choses différemment. Le truc c'est que dans ce livre, je trouve qu'à part l'explication sur l'aspect formel, justement ce qu'ils disent, bah, vous n'avez aucune explication. Si vous n'avez... Là il y a la bio des auteurs certes, mais la bio des auteurs ne me suffit pas. Je veux dire, j'ai besoin d'en savoir plus. Il y en a un livre que j'ai lu, des questions d'un auteur d'haïku ultra connu, je ne sais plus lequel, c'est le maître absolu.
Et justement, ils expliquaient en rapport avec un de ses coups que si on ne connaît pas cet aspect-là précis de sa vie, on ne peut pas le comprendre. Maintenant, ici, ce qui est positif, c'est que sur tout l'haïku, j'ai eu une image qui est venue dans la tête. Je me dis, du coup, ça reflète quand même un état d'esprit, une pensée, une vision, peut-être aussi, quelquefois, c'est vraiment quelque chose de très visuel. Du coup, c'est très beau. Franchement, vous pouvez y aller là-dessus, hein. L'aspect, il est vraiment visuel et vraiment très très beau. Maintenant, faut connaître l'haïku, honnêtement, je pense, hein. Maintenant, il c'est très beau. Après, si vous avez lu le dit du Genji, vous habituez au haïku, hein, sérieux. De toute façon, dans le dit du Genji, sur 2-3 pages, je crois qu'il y a 2-3 pages sur le premier tome où il n'y a pas eu de haïku. En tout et pour tout. Hein. Enfin bref. Ensuite, j'ai lu. Pour le suivant, je m'excuse par avance, je sais absolument pas ce que je vais vous dire. Ré Shepard, tome 1, Amnésie de Morgan Rugrashi, Plume Blanche. J'ai aimé ce livre, hein. Soyons honnêtes, que les choses soient claires. Je sais pas ce que je vais vous en dire parce qu'il y a énormément de choses à dire et que je sais pas par où commencer. La seule chose que je suis sûre, c'est qu'on suit Ré Shepard. C'est pas pour rien, ça s'appelle Ré Shepard. Qu'il est un élève, qu'il est élève, qu'il possède ce qu'on appelle un animal totem comme tout le monde, et qu'il est un excellent duelliste, même le meilleur qui existe. Qu'il a avec lui des acolytes avec qui il a créé un club qui s'appelle UCB. Face à lui, son principal adversaire, c'est Jack avec son club à lui, je ne sais plus le nom. La sœur de Jack est super dingue de lui. Je ne peux pas en dire plus sur cet aspect-là. Il y a Maria qui est une très bonne amie de Ré, que j'ai beaucoup aimé. Ce personnage-là est juste incroyable. Je suis juste dégoûtée de ce qui lui arrive dans le livre. Voilà, je suis complètement dégoûtée. Voilà, j'espérais que ça ferait comme dans tous les livres et non, ça finit pas bien. Mais enfin bref, je spoil pas, hein. Je vous jure que je spoil pas. Et alors, en apparence, donc vous avez le truc de l'école, les duels qui se préparent à la fin de l'année, vous savez, les gros concours qu'il y a, etc. Sauf que dans l'ombre, eh ben, il y a des forces en présence qui gravitent parce que Ré, on comprend que Ré Shepard est prêt enfin pour quelque chose, mais quoi? Alors là, allez savoir. Qu'il a un potentiel beaucoup plus fort qu'il ne le croit. Déjà en temps normal, il est déjà effrayant, mais voilà. J'ai adoré le personnage de Ré. Soyons honnêtes, le personnage de Ré, c'est la première fois que je lis un livre où le personnage, je suis incapable de deviner ce qu'il va faire. D'habitude, on a au moins un personnage mystérieux où on ne sait pas s'il est bon ou gentil ou quoi. Lui, on sait qu'il est à la base quelqu'un de bon, qu'il a une soif de vengeance, mais il ne sait pas pourquoi. J'en dis pas plus, hein. Et le truc, c'est que on lui dit des tas de choses de tous les côtés et qu'au bout d'un moment, il doit prendre une décision et que la décision, quand il la prend, et ben, même nous, on est scotché, on ne sait pas quoi dire. Quand j'ai eu la fin, j'ai dit, mais je veux savoir ce qui se passe juste après et j'ai pas le tome 2. Le truc, c'est que je me dis que si je lis le tome 2, j'en ai pour 2 semaines à peu près de lecture, tellement c'est costaud. Je vous assure, c'est costaud. J'ai un petit reproche à faire par contre, au niveau de la mise en page. Parce que vous savez que les plumes blanches, c'est juste, voilà, visuellement, c'est magnifique. Le problème, c'est que les en-têtes, elles couvrent le texte à un moment donné. C'est pas gênant pour la lecture, mais des fois, on a un petit doute sur le mot. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Combien même les en-têtes sont magnifiques, hein, soyons honnêtes. Voilà, l'objet livré est très 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 beau. Je sais pas encore si j'achèterai le tome 2 aux Alinal. Je pense que si. Parce que me connaissant, je vais un tome 2, je me pose des questions sur la suite. Il y a un des personnages qui arrive en cours d'histoire que je me demande s'il n'y aura pas peut-être moyen concernant pour un. Qu'il prenne plus d'ampleur en tout cas, je sais pas. J'ai plein de questions, je peux pas en dire plus sans spoiler, j'ai juste beaucoup aimé ce livre. Il y a tellement d'informations dans tous les coins que je ne sais plus par où je suis censée commencer. Voilà. Je peux vous recommander, hein, si vous aimez bien les histoires complexes où vous ne savez pas où vous allez réellement, ça peut être sympa. J'espère juste que la suite sera à la hauteur. Voilà. Ensuite, Nuit de cendre de la saga Le Soleil des Hommes, le tome 1 de Julie Limoges chez Hydra Lune. Je vais y arriver. Ce livre-là, je vous avoue que je m'inquiétais pas trop à l'idée de le lire, hein, soyons honnêtes. J'ai commencé à m'inquiéter quand Andrea Dessac m'a dit, c'est pas de la fantaisie traditionnelle. C'est un truc qu'on verra jamais ailleurs. Je me dis, ok,
J'aime bien les choses qui sortent d'ordinaire, les choses un peu bizarres, ça vous le savez. Le truc, c'est qu'il faut pas aller trop loin non plus, hein, voilà. J'avoue, j'ai adoré. Je vous jure que j'ai adoré l'écriture et elle a beaucoup d'impact, beaucoup de puissance aussi, je trouve, dans le sens où le lecteur est absorbé tout de suite dans la lecture, on ne lâche pas le livre, on ne sait pas le lâcher. Et quand bien même vous le posez, vous le regardez, vous êtes en train de regarder la télé, et pas grave, vous le regardez, vous dites, toi, je veux te lire. Du coup, vous le lisez. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de lire, vous ne savez pas quel est le but de ce livre, mais vous le lisez. Parce que c'est bien ça l'histoire de ce livre. On est dans un monde où le soleil n'existe plus, il n'y a plus de lumière naturelle, donc peu de lumière que vous avez, bah, c'est de la fausse, hein, c'est des bougies ou. Je suis même plus sûre si c'est l'électricité ou pas, il me semble que si, l'électricité, mais j'ai un doute. Et seulement dans les grandes villes luxueuses, hein, parce que bon, il y a toujours le pauvre et le riche, hein. Ça reste quand même traditionnel dans la fantasy, c'est peut-être l'un des rares aspects qui reste encore traditionnel. Sur le reste, c'est pas du tout traditionnel. C'est-à-dire que la quatrième de couve, c'est le début de l'histoire. Après, c'est tout. Voilà. Je vous ai tout dit. Non, je rigole. En fait, vous avez un groupe de mercenaires qui est envoyé pour aller dérober un objet dans une auberge. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent juste où il se trouve, mais voilà. Ils ont dit, on leur a juste dit, quand vous le verrez, vous saurez. Bon, ok. Le truc, c'est qu'ils le ramènent, qu'une guerre se profile à ce moment-là. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire en elle-même. Dans le groupe de mercenaires, il y a quand même trois personnages qui sortent du groupe, quand même, surtout un d'entre eux, Aquila, puisque la moitié de l'histoire est écrite de son point de vue, enfin peut-être pas la moitié, mais une grosse partie de l'histoire est écrite de son point de vue. J'ai rarement vu un personnage aussi poissard, soyons honnêtes, hein. Il me surpasse en termes de poissard, à ce niveau-là, c'est... voilà. Je suis déjà poissarde, mais j'avoue que là, ça me réconforte. Non, c'est pas gentil, parce qu'il manque de mourir souvent quand même, le pauvre. Je suis intriguée concernant ce qui lui arrive. Je peux pas en dire plus parce que je pense que le mieux c'est découvrir ce qui lui arrive. C'est peut-être même ce qui m'a permis de tenir la lecture par moment parce qu'à des moments, la lecture, je me disais oui, mais c'est quoi le but au final de l'histoire? Je me posais sans cesse la question. Et à chaque fois qu'on parlait de certains aspects de justement de ce qui arrivait à Aquila, je me disais tiens, il y a un bon potentiel d'histoire en fond. Parce qu'en fait, vous avez la grosse histoire et vous avez des petites histoires qui ponctuent le reste. Et au final, la grande histoire est moins intéressante que les autres. Parce que la grande, honnêtement, c'est juste une guerre, quoi. Donc, lire une guerre, en soi, ça va être juste du sang, des explosions et que sais-je encore. Enfin, bref, tout est que j'ai été fascinée, que je suis profondément déçue pour ce qui arrive à Erigan. Ekam est un personnage qui cache beaucoup, beaucoup de choses, je pense, beaucoup plus qu'on ne le croit, qu'on n'a encore pas vu grand-chose. Le méchant de l'histoire, dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous le retrouver, j'espère. Donc ça, c'est Aquila. Ah oui. Enki, voilà. Je dis Enki, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais mettons. Enki, je l'ai. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh, il est sympa, je l'aime bien. Et au fur et à mesure, j'ai dit, c'est un monstre. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, soyons honnêtes. Voilà, si vous voulez la fantaisie qui sort des cadres, parce qu'il y a un côté un peu western. J'avais vu ça dans une chronique d'un blogueur, je me permets de reprendre le mot, parce qu'effectivement, il y a ce tout petit léger western par moment. Deux, trois petits passages où ça m'a fait un peu penser au western. Effectivement, maintenant. Ça m'a fait aussi penser à d'autres trucs, hein, mais j'avoue, j'ai pas de référence en rapport avec ce livre. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas lu de fantasy qui ressemble, et tant mieux, ça change, ça fait du bien. Je lirai la suite avec plaisir. Et alors, je sais pas, ça a confirmé, mais j'avais lu qu'il y aurait 9 tomes. Si c'est le cas, ça va être l'éclate, hein, parce que là, 9 tomes, vous imaginez. D'autant que les nouveaux qui arrivent en cours de route me semblent intéressants, et que ceux qui les accompagnent n'ont pas de nom pour le moment, mais me semblent tout aussi intéressants. Donc je pense que le but premier de ce livre, c'est découvrir des personnages et leur vision des choses au même moment de ce qu'ils vivent. C'est pas mal, voilà. Donc voilà, si vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire, Julie Limoges, que je rencontrerai probablement aux Zolinal. Et j'ai lu enfin celui-ci de Sandra Triman. Trinam, je me trompe toujours sur son nom, je suis navrée. Chez Plume Blanche, à ma vie, à ta mort. Alors, comment je vais vous dire ça? Oui, le résumé est très bon en fait. Je trouve que le résumé est très très bon. Il en dit juste ce qu'il faut. Le prologue, c'est une jeune femme qui est torturée par
un criminel juste, c'est même plus un criminel, c'est un psychopathe à ce niveau-là. En fait, il a décidé de parcourir le corps de sa victime de hiéroglyphes, de symboles grecs, pardon, n'importe quoi, faisant référence à Hadès. Voilà. C'est joyeux, hein, je vous dis pas, ça dure combien de pages, tiens? Qu'on rigole, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pendant 11 pages, vous avez la description des tortures qui sont infligées à cette jeune femme. J'avoue que j'aime pas les thrillers, enfin les thrillers polars assez sanglants, mais bizarrement, ça ne m'a pas tant choqué que ça parce que la victime a une sacrée personnalité, paradoxalement. Et après, on enchaîne sur le début de l'enquête, la découverte du corps, etc. Et notamment parmi les enquêteurs, il y a Max Sullivan. Je suis juste déçue qu'on mentionne pas son supérieur et mentor, Harvey. J'ai oublié son nom de famille, mais Harvey. L'inspecteur Harvey, en fait, va former Max Sullivan pendant cette enquête, qui est juste pas comme les autres. Et en fait, cette enquête va les mener jusqu'au 11 septembre. Entre-temps, il se passera plein de choses, je peux pas vous en dire plus sous peine de spoiler, mais je pense que je vous dirai juste ça, parce qu'effectivement, si je vous en dis trop, vous n'aurez pas la surprise que j'ai vue. Parce que moi, au début, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais il n'y a pas d'aspect fantastique, imaginaire, ou je sais pas. Et en fait, si, c'est juste que ça vient beaucoup plus tard, pas tout de suite du tout. Je trouve ça bien de surprendre le lecteur comme ça, de lui dire, de lui faire croire que non, il n'y aura pas l'imaginaire, tu liras un polar et tu n'auras pas le choix. Mais en fait, si. Et on aura l'imaginaire plus tard. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait utilisé les différentes mythologies existantes, parce qu'elle n'a pas utilisé que la mythologie grecque, elle a utilisé d'autres types de mythologies que je ne connaissais même pas. Si je ne connais même pas, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Il y en a une que j'avais aperçue par le biais d'une autre lecture, mais vraiment de manière très très infime. J'ai adoré ce livre, déjà rien que sur la construction de l'histoire, sur le but, etc. Enfin, le but. Oui, enfin. Je suis pas sûre que ce soit très moral comme but, hein, mais je pense qu'on réagirait comme le personnage concerné. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'aspect humain. Parce qu'en fait, elle utilise cette enquête pour dévoiler l'envers de l'humanité, si je peux dire ça. C'est-à-dire que la capacité à l'être humain de décider d'une guerre et d'après la maudire. La capacité des plus grands à décider du sort des plus petits. Des tas de choses comme ça. On parle de religion, on parle de la bêtise humaine, on parle aussi de. Enfin, il y a tellement de sujets abordés et je ne saurais pas tous vous les donner parce que honnêtement, moi je note pas, je note rien quand je lis. Sauf si vraiment il y a trop d'infos. Je l'ai fait pour un livre une fois, mais j'ai retrouvé mes notes il n'y a pas si longtemps que ça et je les ai jamais utilisées. Que celui-là, à un moment donné, j'ai dit, faut que tu notes parce que c'est pas ça, c'est juste du pur bonheur, c'est exactement ce que je pense de l'humain. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que je pense de l'humain, lisez-le parce que il n'y a rien d'autre à dire. On parle du riche, du pauvre, on parle de la façon dont les supérieurs traitent leur sous-fifres, si je peux dire ça comme ça. Du fait que par moments on se pose pas de questions, on fait les choses sans se poser des questions, et quand on s'en pose, généralement il est trop tard. C'est souvent comme ça. On parle de tellement de sujets, il y a tellement, tellement, tellement de sujets. Et bien sûr, on aborde les attentats du 11 septembre, alors de ce point de vue-là, je pense que ça peut refroidir certains. Moi, je sais qu'à sa sortie, ça m'a un peu refroidi. Et en fait, on les aborde vraiment pas longtemps du tout. Mais je veux dire, le 11 septembre est prétexte à une certaine scène très importante, certes, mais ça permet d'énoncer plein de choses, surtout autour des religions. Enfin, de toute façon, les religions, je crois, c'est ce qui est le plus présent. À partir du 11 septembre, c'est la raison, ce qui est, enfin, pas critiqué, mais disons qu'elle montre bien que les gens réagissent différemment selon leur croyance, selon leur niveau de croyance. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour ce qui est du coupable, je peux rien dire. Déjà parce que je spoil sinon. Hein. Mais aussi parce que c'est pas franchement la question première. On va dire ça comme ça. Vous comprendrez en le lisant. Moi je vous invite vraiment à le lire parce que pour moi c'est un vrai coup de foudre. Là pour le coup, c'est même pas un coup de cœur, c'est au-dessus. Je trouve que ce roman reflète vraiment parfaitement la capacité à l'être humain d'être aussi bien bon que pourri jusqu'à la moelle. La connerie de l'être humain aussi.
Et tellement d'autres choses. J'avoue, j'en perds un peu mes mots, mais je suis navrée hein, là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment le lire. Il faut savoir qu'un Plume Blanche, en moyenne, je mets 1 à 2 semaines pour le lire. Je l'ai lu en 2 jours et demi. C'est vous dire sa qualité. Il fait 376 pages, si je me trompe. Même moins. Je sais pas qui a dit 376 sur internet, mais c'est faux. 368 pages. Avec les remerciements. Oui, parce que je veux dire les remerciements, je les lis toujours parce qu'il y a des auteurs qui mettent des infos intéressantes dedans. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas été trop brouillonne parce que bah il y a des livres, j'ai plus trop les infos, je les ai lus il y a un petit bout de temps. D'autres où voilà, je dis ce que je peux, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des trucs en commentaire, des commentaires, me poser des questions, de je sais pas, faites ce que vous voulez, voilà. Vous pouvez me dire juste coucou, ça me plaît aussi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut!